Much, Thomas. It's a pleasure to join this group and these conversations. In this paper today, I'll try to reflect on, I'll put together some reflection around borders and border in practice, building and drawing on some of the research I've done. So it's not on one specific project that I'm using in today, but I'm referring to a number of different projects I've been engaged. And okay, let's start and then we can talk about this. Let's see. Let's see this. So borders are bordering in the age of immobility and producing migrants and citizens. So the starting point is that it's very much around the what are borders and the way they function in relation to the different groups I've engaged with. So borders in my work are very much a technology of power for sorting and disciplining subjects. But borders in a way operate, and this is what we know from the literature, the work by Louvet, Enrique Arrigo, Dubois. Borders are not discipline as sort people equally. The bordering practice are gendered, racialized, classed, and also colonial, in the sense that, as we will see also later looking at the Brexit case, they tend to redefine communities and groups, also embedding the histories of colonial relation into them. But one aspect which I think is also important to bear in mind is, besides this sorting and disciplining, the border actually produce the migrants. And you just need to think at definition in international law of the refugee, for example, a person who is outside the country of his or her nationality is one element of the UN definition of the refugee, but also the definition of international migrants according to the UN, a person who moves to a country other than that of his or her usual residence. So the crossing of the border produced the figure of the migrant and the refugee. But you can push this reflection even a further step forward. And I'm thinking about the excellent work by Khosravi around the legal travelers in particular. So he said auto-ethnography of the border and this idea of I am the migrant. So the border, this process of production of the migrant through the border as an ontological relationship. Which you can also relate to a common say that says that we didn't cross the border, but the border crossed us. So this idea that, which also echo some of the work, for example, Hannah Arendt did after the Second World War, thinking at the position of the stateless in Europe, the people that had lost the country of origin, or they were not because they had moved, but because the country was no longer there. So they had seen the border crossing them, they redefined them, even without any movement. But there is another aspect, again, on this idea of that we didn't cross the border, the border crossed us. It's also how, in this sort of ontological relation of the border producing the migrant, also produce a specific space or possibility for political mobilization and right claiming. And here I'm thinking, for example, at the nativist argument among the undocumented migrants, for example, in Texas or New Mexico, the idea that that land, Texas or New Mexico, were part of Mexico, and their families, in many ways, have been Americans for generations, and on this basis, they never moved in many ways, but it was the border that incorporated there the Mexico to which they belong. So this idea, again, of the, use this as a basis for claim making and for claiming a space, a political subjectivity. Next slide. So in understanding, however, this understanding of border though is also linked to border and bordering practice. We know, and here I'm opening up with the people based in the UK will be familiar with this, something that the former Prime Minister Theresa May said
when she was launching hostile environment policy. The aim is to create here in Britain a really hostile environment for illegal migration. So and this very much capture a process that people like Etienne Balibar for now almost 20 years, but also Neera Ewell Davis has pointed out this idea that the borders has been internalized, but also atomized and fragmented in multitude of aspects of the everyday life. So the border become in its operation, not just the frontier of the state, but become is encountered by migrants different points in their everyday life. For example, when in the encounter with public services, access to hospital. And here I want to just give you an example that we have been writing about in the past, which is, for example, the almost paradoxical position that these internalized borders and border practice produce within the British universities. There are, just to give you a sort of a sense of the scale, there are thousands of non-UK-born staff members, academic staff members in British university, about 31% in 2020, so last academic year. And increasingly, these migrants, because they find themselves having to police their own students, for example, asking collective signature, reporting absences, granting permission and deciding if an international student can go back home for a wedding or a funeral. They find, while at the same time, they are themselves subject to the hostile environment and having checks made on their through their passport when they have to do jobs like an external exam. So this is really a way in which the Home Office and the immigration controls have become part of the everyday working practice, including us as non-native British, which is, that's why I define it almost paradoxical, this position. However, this is, I think I'm sort of deviating a little bit from this body of lecture. I also see this productive nature of the border, not just in relation to the migrants, but also to the citizen. And here, for example, the work of Bridget Anderson on Us and Them and the Dangerous Politics of Immigration Control is particularly important. So the border, in a sense, co-produce both migrants and citizens. And this is what we call the migration citizenship nexus. However, some of the work I've been doing in recent years is looked not just at the relationship between immigration and citizenship. So that is between immigration control and immigration policy and the production of citizenship, which is very much at the center, for example, of Anderson's work. But also thinking about this process of this relationship of co-production also in relation to emigration. And for example, considering the role of diaspora institution in producing what we can call a post-territorial citizenship. I'm using this term post-territorial citizenship also in a way trying to connect with debate on post-national and denational citizenship of Soisel and Sassen, but in a sense adding in this new dimension. So the forms of citizenship produced outside the border of the state through this diaspora institution here. And I'm gonna look at two examples. So an example of emigration and citizenship nexus and an example of immigration and citizenship nexus, looking in the second case to the micropolitics of immigration control. The focus would be on the household and the family as a place within this bordering practice operate, creating somehow and recreating the membership. So in terms of the immigration and citizenship nexus, I think a good way of thinking about it, I mean, I'm giving you two examples. One would be the case in the United Kingdom, if we look at the requirement for bringing in a non-European spouse for a British national. Actually, at the moment and in the future, this would apply also to after Brexit to European spouses, you nationals. So what is interesting by looking at the requirement, in order for a British national to sponsor a spouse,
The person has to demonstrate an income threshold. There has to have an income above a specific threshold. And you can see in the table here from the Migration Observatory that in case of a single partner, we're talking about 18,600. This was has been recently been increased as well. In case this is spouse with a child, this goes to 22,400. In case there is a spouse with two children, 24,800. This was from 2012, these figures here. But what the researchers highlighted is that by establishing this threshold for British citizen, in a way, they're not only limiting the possibility of the British citizen to marry with a non-citizen, but in the way that the immigration rules operate, they also discriminate particular group within the British society. So the work that was, I think, very important from the Immigration Observatory was actually looking at the average income for different groups within the United Kingdom, pointing out, for example, how more than half of the British employees who are women or non-white or without higher education or in their 20s do not earn enough to sponsor a non-European spouse at the time of 2012-13. So what you see is that basically we need to pay attention to how this the citizenship and the right of the citizen are shaped by immigration control through also gender, class, and a racial lens. And also in this case, interestingly, also age. And it's paradoxical that perhaps the groups that is because of their life stage are more likely to wanting to build a families and relationship are the more penalized by the immigration control. So the people in their 20s are among the most affected by the income threshold in that sense. The other way, the other example I'd like to raise of how the bordering practice and immigration control operate and discriminate and reshape the meaning of not just of the experience of migrants, but also the citizen. It comes, for example, for a lot of the research in the US context that has pointed out, for example, the case of divided families that live across the border between Mexico and the United States. For example, the work of Joanna Drebi, or the work by Abrego Castaneda, was pointed out how the belonging. How the borders also shapes perception of belonging itself in within the family, and finally the work by Oshikawa that has pointed out how in particularly mixed status families you have the right of the citizen children have been very much affected, looking for example at educational attainment by the legal status of their migrant parents. Focusing instead on this example of emigration and citizenship nexus, I mean, here important work by Delan and Gamlin on the relationship between state and diaspora institutions, but also of Gamlin more recently, his book on human geopolitics, that they very much set a scene lighting the complex drivers for the increased engagement of states with the diaspora through the creation of different form of institutional arrangement. And you can see this is from Gamlin 2019, highlighting the very significant increase in the forms of institutionalization of diaspora since the end of the 1990s, in particular through different instruments. In the European context, there are three sort of examples of this sort of relationship between migration and citizenship abroad through the sort of an immigration lens. I mean, the first case is perhaps the status law in Hungary, for which in the early 2000s, the Hungarian state basically built a set of rights and entitlement for the citizen of other countries which had an Hungarian ancestry connection, allocating rights for related, for example, of access to pensions and facilitation or welfare provision, etc. So this very much, in a sense, extended the reach
of Hungary as a state well beyond their territory, but also in a way shaped the position of the Hungarian origin migrants who were living in these other countries. Here, what is important to remind you that this not, that's not, doesn't have necessarily to do with migration, and in a way is almost is connected to what I said earlier about we didn't move as the border that moved with us. It's, in a sense, these are people that are national, for example, in Romania in particular, but also in Serbia, but have this Hungarian ancestry that had become mobilized to produce rights and entitlement. And another case, which is not specifically linked to a diaspora institution, but more to, for example, the expansion of the right to vote for nationals nationals that live in, abroad. It was recently in the case of 2014 Romanian presidential election, in which the interesting the limitation imposed on the right to vote of the Romanian diaspora, while at the first round of the election, triggered a very strong reaction in the country of origin, that is Romanian, through transnational families and connection, which really led to a shift in the vote, not as much in the diaspora, which didn't have enough vote really to change the balance of power between the Socialist Party and the opposition, but in the way that the Romanians in Romania saw this mistreatment of diaspora as a reason for changing their political orientation. So it's quite interesting how, again, how the citizenship, so the polity, is reshaped in this relationship with the emigrants. And finally, I mean, another example that is very sort of recent and timely is the increased engagement of Turkish authorities with their diaspora in Europe, which we have seen, for example, with the recent Turkish election, where a number of European member states banned Turkish authorities from coming to within the EU to do political rallies. But what is interesting here is how this closer engagement of Turkey has also produced a shift in the perception by third generation Turkish heritage, for example, Germans, which basically feel reconnect with Turkey while at the same time and they are mobilizing through the Turkish identity. This has been particularly interesting recently in the context of the COVID pandemic, when Turkey also sponsored the return flight for Turkish diaspora to Turkey, even if people didn't have actual residence in Turkey. So they were, that was a very interesting sort of articulation of this sort of connection between the emigration citizenship nexus. Okay. The my recent work has really much, very much focused on Brexit. And what does it mean in terms of the rebordering or membership? And the work I've been doing, in particular through a project called Eurochildren, has been focused on EU families and their children in Britain since the and their response to the Brexit referendum and to the and more recently to the conclusion of the negotiation. But there's been also very interesting work done on the and now the from European citizens, they've become European migrants or just migrants. So the fact that as a result of Brexit, people who were resident in the United Kingdom, even without moving, they have become migrants. So that was something that I found fascinating in particular, and this is where the family dimension come back in, again in, as an interest, is to look at the second generation of those EU national who moved to the UK and the way that the shift produced from Brexit to their to the legal status of the parents in particular also affect the sense of belonging of these children who are born in Britain, they grow up in Britain, but they see as children of Europeans and as and they were born in Britain as Europeans in a sense, and now this shift is rearticulated now after Brexit. As part of this project called Eurochildren, we also did a series of short documentaries with portrait of families of Europeans in London. And here you see a very brief extract from Mirella, this
the mother of two, married to Frank, who is obviously from the Irish National, who explains how she see a response to Brexit and this process of disruptions created is that it's a smart option to get as many passports as you possibly can. Things can change quickly, she says. And here, her husband intervenes and says, oh, but now you are Irish. We are safe. There is no problem with us. And then she replied, no, things can change quickly. And it's interesting to locate some of this quote, the story within the background of Mirella. Mirella was born in Croatia when Croatia was part of Yugoslavia and reached Britain as a refugee in the 1990s. So as a status, she was a refugee from Yugoslavia in Britain, but then she married with Frank, who was an Irish national. And so she became a European citizen through her marriage. But then Croatia, her country of birth, became itself a member, more recently a member of the European Union. So she became EU national, EU citizen through birth again. And now after Brexit, she's benefiting of the bilateral UK-Ireland Common Travel Agreement, which basically is retaining the position for Irish national, the position they had before Brexit, while as a Croatian, she's now become a migrant. So what I found fascinating in these stories is not just how the borders of membership are reshaped in one single family's history, but also the way that this process is also learned by people. So how people interiorized this process of rebordering and how they construct their agency from this acquired knowledge. So this idea of the border as an ontological, but also as creating the spaces where people may create resistance and mobilize around. The other aspect which I'm working on in relation to this idea of Brexit and rebordering is very much a reflection of this idea of a shift from European citizen to nation state citizen. So as you can see here from these two figures. In the first one, we see on the right how following the Brexit referendum, that is the gray line there, the number of the Brexit referendum really changed the nature of the migration flows from the European Union to Britain. So we've seen a decrease in terms of immigration of EU nationals, but also an increase of emigration. So former EU national were living in the United Kingdom, leaving Britain. And so the overall net migration has really gone down to around 50,000 at the moment. But what is interesting as part of this story, which is not captured here, is that since the referendum, the overall net migration instead has increased because the number of non-European national that has entered the UK has actually significantly increased. What is we seeing here is how the geopolitical shift that Brexit has created and the new narrative of the global Britain, also known as the Empire 2.0 in the Ministry of Foreign Affairs, is in a way is reshaping the nature of migration and what migrants are allowed or not to cross the border into the United Kingdom. We also see that as part of the trade negotiation, very often the country like India or also Australia have put the issues of the liberalization of visa or freedom of movement on the table. The second point I wanted to highlight in relation to this transition and rebouldering is a slightly different point. What we've seen is not just the fact that you national, you citizen have become you migrants and just migrants, but is that since the referendum, what we have observed, and then you can see from the graph here at the bottom, since 2016, we have seen an increase in the application for EU citizenship from EU nationals. So what we saw is that up until 2016, for example, particularly if you look at the citizens from all member states, Germany, Spain, or France, Italy as well, very few people applied for British naturalization. There was no reason to apply. They had all the rights as a EU citizen,
And even if they were very well settled, this is what we found out from our interviews, in a sense they felt fully integrated in British society as European citizens, and had sort of not even considered becoming British, even if people have been there for 20, 30 years. But since the referendum, this we've seen a shift in the way that people are applying. So for example, the if you can see from the blue bars, between 2007 and 2019, the percentage of application from EU nationals went from 4% to 30%, which in a sense also mark another aspect is this, the shift, the geopolitical shift also meant that by leaving the European project as a supranational project, the idea of EU citizenship, the solution that is left to people is in a sense is to renationalize the membership. That in this case may mean either to go back to the country of home, and we saw the increase in emigration, or to decide eventually to become British. In my new project that I'm working on with Michaela Benson of Goldsmiths University called Migzen, we look at this process of rebordering of Britain and Britons after Brexit, and the project just started and it's gonna last for 3 years. So looking at how post the end of the negotiation period, migration and citizenship are gonna be reshaped as a result of these new geopolitical realities. So just to conclude, and this, if we up to now, I mean, initially when I thought about this paper and the title came out of looking at the age of immobility, I was very much thinking of reflecting on the transformation brought to borders, bordering by the pandemic and COVID. But then thinking about it, it's very interesting to observe how the immobility can also be read in the fact that people were not actually moving. A lot of this process of redefinition that we have been discussing, in particular, for example, the experience of EU nationals in UK or British national in Europe is very much a process of redefinition that occur without actually a movement in itself. However, if you think in terms of a research agenda around borders and bordering in the context of the COVID-19 pandemic, I think there are a number of aspects which I think I found quite fascinating, and this is still obviously a work that needs to be done in many ways. So on one end, we saw the world coming to a halt. The map that you can see in the bottom right indicate the countries where there was a full or partial border closure in red, or suspension of flights. We've seen basically a number of companies, flight company going bust and closed down, I mean, empty airport, train station, et cetera, et cetera. And within this context, so we also observed in how the in the British context, we had the so-called English Channel crisis, where attention suddenly moved towards the arrival of a few hundred people on boats from France into the United Kingdom. Very much, you know, the spectacle of the border was put in place with TV troops and journalists moving on boats, following the dinghies of the migrants who were crossing, and recreating, in a sense, the spectacle we had seen during the Mediterranean migration crisis, at least in its peak in 2015 and 16. So what is interesting is that that created the illusion as if migration or irregular migration was still continuing. But then if you look at the number, this so-called border crisis that really produced just the arrival of very small number of people. And at the end of the day, if you look at the figure on asylum application for this year up to now, is much lower than the previous year. So basically there was an opening up of a new route for a small minority, which then became narrated in the public perception as an invasion, a tidal wave, et cetera, which was quite a striking contrast with the reality that we were experiencing of immobilization. The other aspect which I think it would be important to explore and investigate is the relationship between the use of the public health concern and how is applied as a way of legitimizing narrative for immigration enforcement, and how, in a sense, it produces further forms of exclusion for group belonging to marginalized communities. I'm thinking about the Roma people that were locked in encampments, or what happened, for example, Moira, with the asylum seekers that were basically eventually
which were basically locked in inside because of the few people had positive tests to COVID, and that's what basically produced the fires that eventually led to the closure of the center and people be left on the street. So it's quite interesting to see how the public health narrative was used also to legitimize particularly restrictive measures vis-a-vis some groups. And finally, I mean, more recently we've seen the emergence of this debate around the vaccine passports, and now this is becoming very much a way of also reshaping some of the geographies of the connection between different places, and but also not just places, but also group of people. And here, what is really important to look from a migration studies perspective is the extent to which eligibility criteria for access to vaccine, priority groups, and all groups that are not reached by the vaccine. I mean, in the British case, we have this evidence that among the Black and ethnic minority groups, there is a much lower intake in vaccine than in other groups. But also cases of, for example, the so-called vaccine diplomacy, we have seen how the tension between the British government and the European Union lately, but also how the distribution of vaccine is being used by Israel as a tool for negotiation for the to free prisoners from Syria, or the relationship with the Palestinian, et cetera. So what we're seeing now is basically how the vaccine passports are becoming new tools for reordering, and also the vital borders that we have seen raised as a result of the pandemic will basically create new forms of subjectivity. So people who are allowed or not allowed to move. And this really needs to be, as a researcher, we have actually a responsibility to really pay attention to the politics of inclusion and exclusion produce the result of the pandemic in relation to the rights of people on the move. Thank you. Yeah, thank you very much, Nando. It was in a nutshell, you brought to the fore there's a different challenging of this migration citizenship nexus. And it was thank you very much for this. It was really efficient, I would say, in your presentation. Now I'm going to speak a little bit in French because I would like to synthesize in 2 minutes what you've just said in French, and then we'll take some questions. Voilà, je vais donc vous savez l'une des caractéristiques de ce séminaire c'est d'avoir un angle francophone anglophone et donc je vais vous présenter synthétiser en une minute ce qui vient d'être dit et ensuite on va prendre quelques questions avant de passer à la présentation de Camille. Donc Nando vient de nous présenter ce nexus, cette imbrication entre les questions de citoyenneté et de frontières, hein, la frontière qui est abordée non plus comme une simple ligne territoriale, mais vraiment comme un enjeu ontologique de production de la migration et des migrants. C'est par la frontière que se construit le migrant et par le migrant que se construit la frontière. Mais toute la difficulté de penser cette relation, c'est de penser en même temps les transformations de la migration, de ce que c'est que la frontière et de ce que c'est que la citoyenneté. C'est-à-dire la frontière n'est plus simplement cette ligne, mais c'est un espace fragmenté qui pénètre jusqu'à l'intérieur et à l'intimité même des sociétés, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, tous ces endroits où les migrants sont sujets à un contrôle de leur propre statut légal. Mais la frontière, la citoyenneté elle-même est complètement transformée, hein, puisque la citoyenneté se pose aussi en termes globaux, post-nationaux, avec ses droits humains. Ça se pose aussi en termes locaux, avec des citoyennetés locales. Les questions de diaspora aussi, puisque les droits de citoyenneté aussi passent par les appartenances diasporiques avec les États de départ qui s'intéressent de plus en plus à enrôler et à dresser cette question de la citoyenneté de leurs ressortissants étrangers. Nando nous a parlé de l'exemple turc ou de l'exemple roumain. Se basant sur ses propres travaux, mentionner la question du Brexit, où là, ce ne sont pas des migrants qui traversent la frontière, mais plutôt la frontière qui traverse les personnes. Hein, c'est un peu comme
ce que aux États-Unis, c'est la frontière qui a passé les personnes et non pas les personnes qui ont passé les frontières. Soit c'est une citation de Return to Heartland, I think, from Douglas Massey, the frontier crosses the people and not the people cross the border. Et voilà, et c'est cette. Et on voit comment les personnes se sont adaptées par l'accélération des demandes de nationalité et par un phénomène de renationalisation des appartenances, hein, que ce soit les étrangers, les Européens en Angleterre qui ont demandé la nationalité britannique, ou inversement, les Britanniques qui ont demandé la nationalité dans les pays européens où ils étaient basés. Et tu as fini, Nando, par cette ouverture sur les nouveaux enjeux liés à la pandémie et la production de ces nouvelles frontières, notamment les frontières virales, les viral borders, hein, avec cette production de nouvelles subjectivités de qui est en droit de venir et qui est en droit de ne pas venir en fonction de la biologie et de la dimension santé publique des migrations. Et tu as terminé avec cette question ouverte du passeport vaccinal comme nouvel enjeu de contrôle des migrations sous un angle biopolitique. Voilà, merci. Voilà, je passe la parole maintenant. S'il y a quelques questions, je veux bien prendre quelques questions. There is any question now? We can for a few minutes take some questions and then we will shift to Camille's presentation. I see one from Francesca Siona. Avec le micro, s'il te plaît. J'avais commencé, merci. Thank you for your presentation, very, very interesting. So I have one question about the demands for nationality. You presented demands for British citizenship, and I guess if there are on the other side demands from British for European citizenship, and if yes, for what countries? Maybe Ireland, I think, but I don't know. And I don't know if you have studied it or not, if the links between a European asking for British citizenship and British for a European citizenship. And then I think about the Shoah and things can change quickly. Unfortunately, history tells us that it's true. And so I think it's really something we can keep present in our work. Thank you. Thank you very much. Do you want to collect that one or shall I answer? You can go ahead, yeah. Okay, sure. My colleague Michaela Benson is doing work on the Brits abroad and also the application for citizenship and the difficulties that they are encountering. What is challenging from a researcher perspective is that while, for example, if I work on EU national in Britain, I only have one legal framework to pay attention to. You know, I got, obviously, I do research and I explore the way that they access their naturalization. If you were doing the same research for Brits in Europe, then you have to be familiar with all the process of naturalization in each individual European member states. I mean, from research, we know that while in the scholarship, the British emigrants to the European Union are mostly the story that we know about the British emigrants is most about the pensioners in Spain on the Costa del Sol. So if you look, you know, if you do a graph about a number of articles covering the British abroad, you will see everyone talks about this. But in reality, and this is a very important word, there is actually a younger generation. So British national are mostly based in Belgium, Germany, France as well, but in particular, there is all the migration linked to the European Union institutions, for example, in the Belgian context. That and so you'll see in Belgium is one of the countries where you have a more larger number of application from British national for citizenship, for example. And at the other point about
that we really know the story. I mean, stories repeat itself. I mean, I found that you can listen to the interview with Mirella is on the website of Eurochildren. It's just 2 minutes, it's just a short clip. But I find so fascinating to try to investigate this process of rebordering within the family unit. Because I could basically capture the dialogue between the husband who was Irish and her as a Croatian, the children who were born in Britain who were asking questions about, oh, what is going to happen to us? And then also this idea of the layering of history on both sides, because the husband had an experience, for example, of the Bloody Sundays in Ireland and what happened, you know, since the normalization of the relationship. So he was very concerned about the position in Northern Ireland now and what's going to happen. But on the other hand, it's really interesting how, because in her lifetime, Mirella has seen Yugoslavia collapse, Croatia to be a non-European member state, Croatia becoming a member state, and now Croatia Britain not to be in the member state. It's really fascinating how just in one biography, in a few years, you get so many borders moving. And that was, you know, that's what that story really captured for me. Another question from Jasper. Yes, thank you so much. And thank you so much for this great presentation. So I study, at the moment I study internal mobility control measures, especially from an historical lens. And so I'm looking at the 19th and early 20th centuries. And from your last slide, just kind of what popped up in my head was that I was wondering how the experience of asylum seekers and refugees in different European countries has changed through the COVID pandemic, when they're already limited mobility by being kind of locked up in refugee centers, has become even more restricted and even more limited. Thank you, Jasper. I mean, as one of the activities we have done during the pandemic, we did a series of conversations, which is called Conversation with Aris. We also, you know, there are like 15 minutes podcasts with video, and we interviewed also some asylum seekers and spoke to them during the pandemic at the peak. And what was fascinating, first of all, you got all the people sitting in their bedroom. Why? Because even if you are not in centers, but you are like in Britain, you get given, for example, accommodation, often in a multi-occupancy house, flat. What was fascinating there is that people felt that, you know, there is people are not in my flat, I don't really know them, that they're not following the rules about the COVID and social distancing. And people felt really claustrophobic about locked in this room. And you can really see the sense of claustrophobia coming out also in the conversation, sort of seeing all the social network that really were supporting them, you know, the women rights association, the groups that were community ethnic groups, they were no longer there. And they really felt completely marginalized and left behind, and there was no way of approaching them. So there was all this sort of story coming up. So there is sort of more macro stories of, you know, in Italy, there is all this show of this, the reception center that were basically put barrier around because there were a few cases inside in Rome, for example. But here also on a more micro level, you can see all this, how the restrictions were affecting, because they were amplified by the housing marginalization that people were already suffering before, you know, because they were given a single room for, even for a family, even before. And their experience was shaped by that as well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, if there is no other question, I will pass the floor to Camille. Anyway, you can, if you have other question, there will be another chance to pose at the end. We'll have a general discussion. So Camille, the floor is yours. So Camille is a professor of geography at the EHESS, E-H-E-S-S. And she did an extensive work on migration in the Mediterranean, and especially on the women. And I can't not mention your latest book, The Damned of the Sea, Les Damnés de la Mer, au féminin. So migration, the feminine migration through the Mediterranean in the latest period. So the floor is yours, and the title of your presentation is Thinking Autonomy in Times of Bordering, Variation on a Concept.
Thank you very much for the presentation, and thank you so much, Nando, for this beautiful presentation. I really enjoyed it, and I'm sorry because I can't share my screen. I can't share my presentation, Thomas. I don't know if why, but tu sais pourquoi j'arrive pas à partager ma présentation? Je vais pouvoir là. Alors, pourquoi je ne peux pas? Ok, ça y est, ça a l'air de marcher en fait. Ok, alors par contre, est-ce que je ne sais jamais, attends, comment je fais? Non, arrêtez de partager. Il faut d'abord que je mette le diaporama, pardon. Sorry for this. Up, here I am. No, but now I'm not able to share. Let me remember. How should I do? Sorry for that. Non, mais tu peux partager et ensuite mettre en diaporama. C'est vrai? Tu crois que je peux faire ça? Parce que tant qu'à faire, j'aimerais autant que vous ne voyez pas. Ouais, voilà, ouais, c'est bon, c'est en diaporama. Ouais, ouais, ok, perfect. Yes, so I was saying I really enjoyed because I think COVID crisis and Brexit actually urge us to think about the articulation as Maurice Steele I pointed out of. Bordering processes and critical citizenship, and it's really interesting the way you manage to cross these two approaches and issues. Donc ma présentation va être en français. J'ai fait un petit PowerPoint en anglais, mais ma présentation va être en français. Et donc comme l'a dit Thomas, et je m'excuse à l'avance pour les personnes qui m'ont déjà écouté récemment parce que ça va reprendre certains éléments du livre. Donc est basé sur une enquête que j'ai effectuée pendant 10 ans au sud de l'Europe, en particulier en Italie et à Malte, auprès d'une centaine de femmes qui ont pour point commun de venir d'Afrique subsaharienne, d'avoir traversé la Méditerranée et d'être le plus souvent en demande d'asile, mais pas toutes en fait. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, alors à partir d'un point de vue de géographe critique, féministe, c'est d'interroger la relation en fait entre la frontière et la question de l'autonomie. Donc, ça veut dire que je me situerai à la fois dans la continuité de l'intervention de Nando, mais aussi dans la continuité, et d'ailleurs il y aura des choses qui se recouperont un petit peu, mais j'ai décidé que ce n'était pas grave, de l'intervention de la première série de séminaires qu'on a eu sur la notion d'autonomie avec Charles Heller et Emmanuel Mamingue. La question en effet est de savoir si aujourd'hui on peut encore parler d'autonomie des migrations dans une période d'intense production de la frontière, et comment parler d'autonomie de la migration aujourd'hui. Alors, je précise que mon terrain, je l'ai fait avant le Covid, donc c'est évidemment un petit peu daté, et il faudrait le remettre à jour, mais je pense que ça permet de penser aussi, réfléchir à la question de l'autonomie permet de penser aussi à la situation actuelle. Donc, je vais simplement vous faire un point sur les auteurs qui ont été importants pour moi pour penser la notion d'autonomie. Ensuite, je vais essayer de l'articuler à la façon dont j'ai essayé de réfléchir à la question de l'autonomie de mon propre travail. Alors, il me semble que la notion d'autonomie a connu un succès phénoménal au sein des études migratoires dans les 30 dernières années. Alors, quand on parle d'autonomie, on commence par partir de la définition kantienne, hein, critique de la raison pratique, même si c'est toujours pour la critiquer. Mais en tout cas, il faut partir de là, hein, la capacité à se donner sa propre loi, hein, une loi qu'on décide de suivre. Donc, cette réflexion sur l'autonomie dans les études migratoires, elle s'est développée dans différents contextes épistémologiques, au croisement de plusieurs traditions politiques, philosophiques et de sciences sociales, sans toutefois former une entité cohérente et aisément identifiable, ni constituer un véritable sous-champ des études migratoires. Et la plupart de ces théories se sont développées dans les années 90 et 2000. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose d'interroger leur actualité. Comment, dans une période d'intensification du contrôle frontalier, du fait que ce qu'a décrit Nando, c'est-à-dire que les êtres sont traversés par la frontière et les êtres vivent dans la frontière pendant des années, voire toute une vie,
qu'est-ce qu'on peut faire de cette notion d'autonomie, hein? Comment peut-on s'emparer de cette notion d'autonomie? Donc, je vais m'amuser à faire dialoguer différents auteurs et puis je vais vous dire après quelques mots de ma propre recherche empirique. Alors, pour commencer, donc, je vous présente les quatre auteurs que vous connaissez certainement, dont je vais vous parler. Et donc, comme on est dans un séminaire où on fait dialoguer les approches anglophones et francophones, et peut-être un peu plus si on y arrive dans les prochaines séances, je présente différents auteurs issus de contextes extrêmement différents. Ils ont pour point commun d'avoir développé leur réflexion sur l'autonomie au tournant des années 90 et 2000, comme je le disais, et d'avoir proposé explicitement de travailler sur la notion d'autonomie. Il y en a bien sûr d'autres, hein, mais je ne peux pas tous les présenter. Donc, le premier, c'est le travail d'Emmanuel Maminck, que je vais passer très vite, puisqu'il est intervenu lui-même pour présenter son approche, hein, mais il me semblait important de rappeler donc, ce travail important auquel il a consacré sa thèse d'habilitation, hein, ce travail sur l'autonomie, et un travail qui est à la fois revendiqué comme une réflexion sur l'autonomie des migrants, mais aussi comme un point de vue scientifique. Hein. Et c'est marrant, et c'est pour ça que j'ai traduit, en fait, c'est marrant parce que j'ai traduit ce qu'il appelle le point de vue de l'autonomie, The Gaze of Autonomy, et il se trouve qu'il y a un texte de Sandro Mezzadra qui s'appelle The Gaze of Autonomy. Et ça me permet de réfléchir aussi à l'absence de dialogue entre différentes traditions linguistiques et de recherche sur les migrations. C'est une perspective à la fois de chercheur, donc un point de vue sur la recherche, hein, qui s'articule à une histoire personnelle d'Emmanuel Maminck, liée aussi à une certaine fascination, notamment pour, qui s'inscrit dans un contexte politique plutôt des années 70, avec une influence très forte des courants libertaires, quelque chose qu'on retrouvera chez d'autres auteurs, hein, donc avec cette idée d'une autonomie vis-à-vis d'un pouvoir central, dominateur, étatique, et donc qui fait écho, par exemple, on retrouve des passages chez Emmanuel Maminck qui font largement écho à la réflexion qui est développée au même moment, et de façon beaucoup plus d'ailleurs célèbre, certainement, par un certain James Scott. Avec une référence notamment à Clastres qu'ils ont en commun et qu'ils utilisent beaucoup. Donc, pour Emmanuel Maminck, l'autonomie, c'est une perspective qui, appliquée à l'étude de populations localisées, consisterait à voir comment des groupes humains se constituent et se maintiennent dans leurs relations et comment ils se définissent avec ce qui leur apparaît comme altérité. La notion d'altérité est importante. Mais surtout, cette approche de l'autonomie est une approche collective. Ce qui intéresse Emmanuel Maminck, ce sont les groupes, et en particulier après sa thèse de doctorat qui était consacrée à des populations en Tunisie, j'ai plus le titre là, mais va s'intéresser à la migration chinoise et notamment à la diaspora chinoise. Mais ce que je voudrais dire au sujet de cette approche-là, c'est qu'il y a eu un malentendu, je pense, au sujet de cette approche, parce qu'il s'est intéressé en particulier à l'autonomie dans l'entreprise, donc dans la lignée des travaux sur l'ethnic business. Et il s'est intéressé à l'autonomie dans la diaspora. Et on en a fait un géographe plutôt ancré sur les questions économiques ou culturelles, alors que je pense que c'est véritablement une approche politique qui nous propose sur ces questions-là. Donc, on lui a beaucoup critiqué son biais entrepreneurialiste, etc., alors que je pense qu'il s'inscrit davantage dans une vision une vision politique de la migration. Hein, il parle notamment au sujet des collectifs de migrants de pouvoir faire, donc de capacité à faire. Ça nous ramène aussi à un contexte épistémologique qui nous est cher à certains d'entre nous, qui est celui des années 90 où on exaltait les capacités des migrantes et des migrants à faire communauté à échelle transnationale. Voilà pour ce qui est d'Emmanuel Maminck. Je vais très vite. Alors, la deuxième personne que je voulais vous présenter, la deuxième autrice, c'est Constance de Gourcy, qui, elle, partant de la notion d'acte de migration,
propose de travailler sur le processus de subjectivation qui caractérise l'expérience migratoire. Hein. Elle s'intéresse à la dimension expérientielle de la question migratoire et à la façon dont, au fil de la trajectoire, s'exprime cette dimension subjective de la migration. Donc là, on est par rapport au travail de Mamingue, on est dans une dimension davantage individuelle, puisqu'elle part de trajectoires biographiques, mais néanmoins pas du tout individualiste, puisqu'elle s'intéresse aussi à la façon dont, en fait, il y a toujours une dimension collective dans la migration, ce qu'elle appelle, je trouve ça assez joli, le volume mental de la migration, qui renvoie à la dimension familiale, mémorielle, intergénérationnelle de la migration. Mais là où la notion d'autonomie est importante chez cette autrice, Constance de Gourcy, c'est que pour elle, le vécu migratoire donc, est complètement partie prenante du processus d'autonomisation. Hein. Donc, on investit de signification l'acte de migrer et on participe de cette construction de l'autonomie en quelque sorte progressive, en route. Et ça, dans le contexte actuel où on a des personnes qui sont dans la frontière, je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir cette vision progressive en fait, de l'autonomie en relation avec la trajectoire migratoire. Voilà, Constance de Gourcy, on peut aussi la rapprocher de nombreux travaux qui aujourd'hui portent sur la notion de projet migratoire. Le troisième auteur que je vous propose, c'est Nestor Rodriguez, que vous connaîtrez, et qui, dans les années 90, en 96 en particulier, a publié un article qui porte sur donc, les conflits, même les luttes de frontières, et la façon dont l'autonomie nous permettait d'aborder un peu différemment les luttes de frontières. Hein. Et donc, là, on est vraiment du point de vue des migrantes et des migrants, et là, on retourne sur cette dimension très collective de la lutte. Hein. On est chez un auteur qui a aussi des références, alors évidemment, référence aux pensées de l'autonomie italienne, mais traduite en anglais. Donc, il y a des passages d'idées qui se font de façon un peu, qui sont retravaillés par des auteurs anglophones et donc qu'ils, lui, réutilisent. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi comment l'autonomie italienne se transforme au fil des lectures et des traductions. Il définit l'autonomie comme la migration internationale organisée par les travailleurs, leurs familles et leurs communautés de façon indépendante, par rapport aux définitions des lois et des gouvernements. Donc, on a, par rapport à Mamingue aussi, on a cette idée là, voilà, d'un collectif autonome par rapport à l'État, hein, qui permet aussi, d'une certaine manière, de résister au caractère punitif et répressif de la frontière, puisque déjà dans ces années-là, hein, dans ces années 90, on est sur ces luttes de frontières, on est sur cette violence de la frontière entre le Mexique et les États-Unis en particulier. Je crois que c'est important de souligner que depuis, Nestor Rodriguez a, si je ne me trompe pas, vous me dites si je me trompe, relativement abandonné cette idée de l'autonomie de la frontière. Et ce n'est peut-être pas un hasard, parce qu'effectivement, la situation est devenue de plus en plus difficile. Dernier auteur, et là, je ne vous étonnerai pas que je voulais vous présenter, mais vous connaissez tous, je pense, et peut-être même par cœur mieux que moi, c'est Sandro Mezzadra, qui, je pense, dites-moi si je me trompe, mais qui, je pense, parmi ses auteurs, est peut-être le seul qui est véritablement fait école de pensée, mais fait école aussi politique, avec une théorie hein, qu'on appelle la théorie de l'autonomie de la migration, hein, et donc qui l'a encore évidemment inspiré, là, beaucoup plus directement par l'autonomie italienne, mais aussi par le féminisme. Il est le seul des auteurs que je vous présente qui est explicitement aussi inspiré des théories féministes, à travailler donc cette perspective de l'autonomie, et qui est aussi plus actuelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui remonte là encore aux années 90-2000, dans un contexte politique particulier d'ailleurs, j'aurais pas le temps de développer, mais qui encore aujourd'hui est une théorie
voilà, qui est approprié, réapproprié, utilisé. Et je pense, par exemple, parmi tant d'autres, au travail de Tazzioli, Garelli, toute une école finalement qui se base sur cette théorie de l'autonomie des migrations. Alors, il me semble que l'originalité de ce positionnement, ce n'est pas seulement d'avoir fait école, bien sûr, mais c'est aussi de se situer beaucoup plus près de l'action politique, hein, avec des luttes politiques qui sont clairement identifiées comme connectées à cette théorie. Hein. Peut-être que le dernier exemple en date, c'est le lancement de l'opération Mediterranea Saving Humans, lancée en Méditerranée en 2018, mais il y en a eu bien d'autres avant. Hein. On peut remonter évidemment aux années 90 et à la place de Sandro Mezzadra dans l'action sociale, dans les luttes, dans ces années-là, dans les centres sociaux italiens en Italie. Donc là, on est dans une approche de l'autonomie qui a pour point commun par rapport à d'autres auteurs que je vous ai présentés, de refuser en fait les images victimisantes, les images misérabilistes de la migration et du migrant, hein, et au contraire de les regarder comme sujet, donc sujet actif, hein, et de les regarder aussi comme capable, en fait, à travers la notion notamment de droit à la fuite, hein, diritto di fuga, d'action et de création finalement subversible pour transformer les conditions de pouvoir. C'est aussi quelque chose qu'on peut rapprocher de toute la réflexion autour des conflits de frontières. Hein, et là, je pense encore une fois à Maurice Stierl, à Charles Seller, bien sûr, et au travail, ce qu'ils ont fait sur les résistances et la façon dont les migrantes et les migrants sont partie prenante des résistances à la frontière. Donc, voilà pour ces quatre auteurs qui, me semble, peuvent nous apporter des choses très constructives pour réfléchir aujourd'hui dans ce contexte d'intensification de la frontière et, a fortiori, dans le contexte actuel de crise sanitaire. On est passé d'une crise à une autre, de la crise migratoire en Méditerranée à la crise du Brexit, à la crise sanitaire. Beaucoup d'occasions pour réfléchir à la question des frontières et à la place de l'autonomie dans tout ça. Donc, je ne reviens pas sur les éléments de contexte dans lesquels j'ai travaillé et dans lesquels je souhaiterais qu'on réinterroge la notion d'autonomie. Quelques points juste, un tournant répressif et humanitaire en Méditerranée. La question de la mort aux frontières qui est de plus en plus présente, puisque même si les traversées de la Méditerranée ont chuté, le taux de mortalité n'a jamais chuté, hein, sur l'ensemble des traversées méditerranéennes. La notion de criminalisation des migrations que vous connaissez bien et tous les processus de construction de la frontière qui ont été décrits et beaucoup mieux que je ne pourrais le faire par certains présents. J'ai vu que Paolo était dans l'audience, je ne sais pas s'il est encore là. Les vies à la frontière, hein, Nando faisait référence au travail de Kosravi, la question des vies à la frontière et dans la frontière. Et enfin, pour arriver à ce que nous a proposé Andrea Rea à la dernière séance du séminaire, à savoir une situation de guerre contre les migrants et contre les migrations. Donc, un contexte extrêmement restrictif. Et quand il s'agit de travailler sur les femmes comme je l'ai fait, c'est aussi un contexte dans lequel la situation des femmes est clairement instrumentalisée à des fins répressives. Et ça, c'est très important de le dire toujours. La question de la relation entre la migration féminine et la politique des frontières. En fait, Frontex, comme plein d'autres institutions parties prenantes de la construction de la frontière, instrumentalise la question des femmes en les victimisant, et ça nous intéresse beaucoup quand on réfléchit à l'autonomie, en les victimisant et en les construisant comme sujets non seulement vulnérables, mais aussi victimes des méchants trafiquants, des méchants passeurs, des méchants hommes de leur pays d'origine, mais jamais comme victimes des politiques migratoires et de la violence qu'elles infligent également, et pas seulement, aux femmes et au corps des femmes. Donc, je reviens, donc, c'est mon petit passage promotionnel. Effectivement, j'ai publié ce livre récemment en relation avec cette question des femmes aux frontières et de l'autonomie. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, réfléchir à la façon dont
les femmes bloquées dans la frontière, puisque les femmes dont il est question dans ce livre, elles sont littéralement bloquées dans la frontière, puisqu'elles sont en Europe du Sud. Quand je les rencontre, elles ont déjà traversé, elles ont déjà passé des années, ou des mois, voire des années en traversée. Elles ont été bloquées à de nombreuses reprises, immobilisées, et elles sont encore immobilisées quand je les rencontre. Et vous le savez bien, vous l'avez étudié aussi, Nando, par exemple, ces femmes-là, elles passent des mois, voire des années, dans l'attente d'une transformation de leur situation. Donc, elles sont, la plupart du temps, au moment où je les rencontre, c'est-à-dire jusqu'en 2018, elles sont bloquées dans des centres d'accueil et dans des situations semi-carcérales. Donc, elles attendent. Et la question est de savoir comment, dans un tel contexte, on peut considérer qu'on peut exercer toute forme une forme d'autonomie. Hein. Donc, c'est une question, me semble-t-il, méthodologique. Hein. Je rejoins l'idée du point de vue de l'autonomie, c'est-à-dire comment on développe un point de vue de l'autonomie dans de telles situations contraintes. C'est une question théorique. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie ? Et c'est une question empirique. Comment on fait concrètement ? Hein. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que dans les années plus récentes, il y a eu énormément de réflexions sur l'agency, qui a été, entre autres, il y a eu cet article dans Migration Studies de Chetamen Waring, mais il y en a eu d'autres, la question des résistances, la question de navigation, social navigation, migrants, la question de comment les migrants naviguent, je ne sais pas, se repèrent, naviguent, dans ce, voilà, et il y a énormément de production là-dessus. Et enfin, il y a eu des réflexions aussi sur la dimension spatiale de ces résistances. Hein, j'en vois notamment un travail de Daphné Cayol dans Gender, Place and Culture qui réfléchit à cette dimension aussi de la résistance par l'espace qui évidemment m'intéresse particulièrement en tant que géographe. La version de l'autonomie que je vous propose aujourd'hui, elle est donc spatiale et elle est inspirée aussi de tous les travaux que je vous ai présentés, mais aussi de l'approche féministe. Donc, moi, je propose de parler d'une part d'autonomie relationnelle, et ça, je l'emprunte aux féministes. Hein. C'est la critique féministe de l'autonomie kantienne qui met en avant cette idée que, et ça rejoint par exemple la pensée de Constance de Gourcy, c'est l'idée que, il n'y a pas d'autonomie sans relation sociale, et que l'autonomie, loin d'être quelque chose d'individualisant, elle se construit dans la relation sociale et par rapport à la société, à l'État, au contexte, etc. Et ça me semble très important. Et le deuxième point, c'est de considérer ce que, par exemple, Martina Tazzoli, Glenda Garelli appelleraient dans leur lecture foucauldienne de l'autonomie de la migration, les insoumissions telles qu'elles sont décrites en fait par Foucault, hein, et qu'on retrouve par exemple aussi dans cet extrait de Stéphane Schill, hein, c'est-à-dire cette idée de l'excès, qu'il y a toujours un excès en fait de l'autonomie sur les techniques de gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose en plus qui relève de l'autonomie. Donc, je m'inspire aussi des approches féministes critiques. Alors, c'est des vieilles choses, on dirait, mais qui remontent aux années 90, mais qui sont très utiles pour réfléchir à la dimension spatiale et scalaire de l'autonomie, me semble-t-il. Donc, ce sont les lectures féministes qui ont été faites d'une littérature de géographes, au départ, sur les échelles, qui sont un peu passés de mode, mais il y a quand même quelques articles encore de géographes qui essayent de réhabiliter cette notion d'échelle. L'idée, et là je renvoie à un article notamment de Neil Smith, qui date de 1992, c'est de considérer que même les personnes les plus privées de moyens, les plus démunies, peuvent trouver par le jeu d'échelle, par la façon dont ils s'approprient certaines échelles géographiques, des moyens de résister et d'exercer leur autonomie. Hein. Donc, c'est un travail de Neil Smith sur les sans domicile fixe, mais ça, et sur les automobiles des sans domicile fixe, mais ça fonctionne très bien aussi pour les femmes bloquées dans la frontière. Donc, une autonomie relationnelle et une autonomie qui va s'exercer en jouant sur des échelles. Hein.
Je parle aussi d'autonomie en tension. Alors, je ne sais pas comment on traduirait en fait en anglais, hein, autonomie en tension. Est-ce que c'est peut-être embedded autonomies, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que voilà, il n'y a pas d'autonomie absolue. Ce sont toujours des autonomies qui, comme le dit Foucault, sont dans l'excès, dans le surplus par rapport à des rapports de pouvoir qui sont toujours existants et qui et c'est des autonomies qui s'exercent dans la relation de pouvoir. Pour observer, donc question méthodologique et empirique, pour observer cette autonomie, moi je travaille sur la notion d'échelle, donc des géographes, et en particulier sur la notion de Neil Smith, de saut d'échelle, c'est-à-dire l'idée que il n'y a pas que les grandes entreprises ou les États qui peuvent s'approprier certaines échelles pour exercer leur pouvoir, mais il y a aussi les personnes qui sont le plus à la marge et le plus dominé. Et donc, j'utilise cette notion de Smith de jump of scale. J'espère que je ne vous ai pas complètement perdu. Pour montrer comment ces échelles, et des échelles micro, puisqu'il y a aussi cette approche très féministe, qui est aussi celle de Smith et puis de toutes les personnes qui ont écrit après lui, des échelles micro, comme le corps, comme l'espace domestique, peuvent être réappropriées pour exercer son autonomie. Et donc, en fait, le travail que j'ai effectué auprès de ces femmes, c'est d'observer comment… Alors, trois échelles, le corps, l'espace domestique et l'espace numérique. Et ces échelles sont bien entendu emboîtées, c'est-à-dire que dans l'espace numérique, vous avez le corps et l'espace domestique, permettent d'exercer une forme d'autonomie dans les situations les plus contraintes. Donc, il s'agit de considérer les échelles comme des lieux éminemment politiques, objets de contrôle, d'appropriation et d'expression d'une subjectivité en mouvement. Quelques mots sur chacune de ces échelles et je m'arrêterai là. Ça va, je ne suis pas trop en retard. Le corps... L'échelle du corps, donc l'échelle du corps qui devient donc un objet, le lieu de technique esthétique, kinésique, le lieu de routine, donc il s'agit de travailler sur comment dans ces situations de frontières, les femmes investissent leur corps par le biais de certaines routines, comme le jeûne, par exemple, le jeûne, mais aussi quand ce sont des techniques particulièrement politisées, la grève de la faim, mais aussi les rituels religieux, par exemple, mais aussi la façon d'investir la dimension biologique, reproductive du corps, à travers, par exemple, le contrôle des grossesses. Il faut rappeler qu'une grande partie de ces femmes arrivent en Europe en ayant été violées en route et donc enceintes, ou encore justement une relation, l'investissement d'une relation très, très, très importante, très centrale au corps dans le cadre d'une grossesse et du fait d'avoir de donner naissance. L'espace domestique, c'est la façon dont on va mettre en place des stratégies d'intimisation de l'espace domestique, puisque l'intime est profondément lié à la question de l'autonomie, donc de l'aménagement des espaces de dortoir, de la révolte dans les espaces domestiques, de la conquête d'espaces intimes comme des espaces de religiosité, mais c'est aussi la façon dont on va s'approprier les espaces extérieurs. Il faut que je dise que la vie de ces femmes est extrêmement régulée dans le cadre de ce que j'appelle des géographies morales, après d'autres. Donc, elles sont extrêmement surveillées, plus que les hommes. Et donc, il s'agit pour elles d'essayer quand même de se réapproprier d'une certaine manière l'espace public et par le biais d'Internet, justement. Une des choses qu'on peut observer sur Internet, c'est que ces femmes se mettent énormément en scène, mais elles se mettent en scène en particulier dans des espaces publics. C'est-à-dire qu'en fait, les espaces intimes, personnels de ces centres d'accueil sont des espaces très assez difficiles à vivre. Hein. C'est des espaces surpeuplés, c'est des espaces où on n'a pas d'intimité justement. Et donc, elles vont se recréer une image corporelle, elles vont se recréer une intimité par le biais de l'investissement des espaces publics. Et donc, elles sont souvent, comme vous le voyez sur ces photos, elles se mettent en scène en extérieur
pour reconstruire en fait l'image de soi en ligne. Donc ça, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de réflexions sur l'utilisation de l'espace numérique par les migrantes et les migrants. Certains vont jusqu'à parler d'hétérotopie digitale. Mais en tout cas, il me semble que c'est un des lieux où peut s'exercer une forme d'autonomie, hein, et pas seulement un lieu d'aliénation. Voilà, donc je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce travail, il a été mené avant la crise sanitaire, mais je pense que ça pourrait aussi constituer ça pourrait nous aider aussi à réfléchir à certaines questions auxquelles on a été, peut-être nous-mêmes, mais de façon très différente certainement, mais confrontés sur la question de la recherche d'une autonomie. Et donc, la conclusion, ce serait de ne pas abandonner ces approches-là, malgré les frontières. Merci Camille. Formidable. I wonder if there is a necessity for me to synthesize your talk insofar as you already had presented your slides in English, but very, very briefly, just and as a matter of compliment as well. So you really refocused your talk about from borders to autonomy and presenting these four authors, Emmanuel Maminck, Sandro Mazzebra, Constance de Gourcy, et Rodriguez, que je ne connais pas d'ailleurs, donc tu as présenté les différentes approches plus libertariennes chez Maman et Constance de Gourcy. Radija El Madmad qui. Camille, je crois que c'est toi qui es animatrice, je crois que c'est toi qui. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Et donc c'est plus libertarienne. I started in French, of course, and I should have said it in English. So yeah, you presented these four authors, these key authors for autonomy of migration, and presenting Emmanuel Maman and Constance de Gourcy, who probably draw on a more libertarian approach of autonomy, with a reference to James Scott or Pierre Clastres. Whereas Sandro Mazzebra is coming from the autonomist movement of Marxist movement, which is a critique of Marxism as critique. It's a complement of Marxism, mentioning that the motif of history is not the one of the evolution of mode of production, but really the one of the struggle of the people, of the collective, of the multitude, as Tony Negri puts it. Anthony Grenier is also part of the autonomist Marxist movement, as well as Yann Mouillet-Boutang as well. Focus on the individual on the one hand, more on the collective on the other. That's probably one of the point of reference that we can make about these authors. But you included this feminist approach in the autonomy. Yeah? I think it's extremely important to put forward your inputs, and your input is really to put forward the relational aspect of the autonomy. You do not become autonomy as an individual. You become an autonomous within a relation, within a power relation. You become an autonomous subject of yourself within, embedded in a broader power of relation power. This is really, I think, your key input in your work. And then you finish by presenting these women crossing and how they use different scales, the possibility to occupy and to use the spaces of intimacy, like the domestic space, like their own body. So these really liminal spaces of intimacy where they can develop their own autonomy and their own reappropriate an image of themselves. And this is, I think, extremely important as well. And maybe to start the conversation, I was wondering to what extent this relates somehow to what Nando was mentioning about the construction of the border and the generalization of the border, the internalization of the border. The border is not a limit, but it really goes along
all along the trajectory of the migrants from the point of departure to the point of arrival, and probably maybe you could talk about to what extent this internationalization of the border also includes the internalization within the body, the embodiment of the border, and to what extent this embodiment of the border is also a locus where the autonomy can emerge. Thank you, Thomas. Yes, actually, yes, the body, of course, is a site for border struggle. It's a site for autonomy, but it's a site as well for control. And these women are really, they have to deal with a very intense control of their bodies, both within the whole system, as you well know, of migration, EU migration policy. So, for instance, the issue of fingerprints, you know, they call themselves, I say in the book that they call themselves I am fingerprint, to refer to themselves as persons, you know. It's really striking, but at the same time as women. So, for instance, there is a huge moral discussion in the center, in the reception center in which they live, about their everyday activities. So, you know, every kind of trivial activity, such as what you eat, what you do with your body, whether you walk out the room or not, whether you go to the village or not, whether you dress up, you make up, everything is discussed. It's very intensely discussed, and of course, it's part of the border process. And the way themselves they react to this is part of this border politics, of course. Yes. I can't go into details, but everything is just ruled by the rules of the border, like how you feed your babies, what do you give your babies to eat is important. How do you relate to your baby is something important. So everything is looked at. And the issue of visibility, which is, of course, intensely connected with the issue of intimacy, is crucial when thinking about autonomy, of course. Alors, on peut ouvrir les questions. Est-ce que there is any question in the audience to Camille or to Nando? Yeah, Francesca. Je suis abonnée. En cas d'absence de questions, j'ai toujours. Merci Camille. J'avais une question. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Mais je me disais que le concept d'autonomie. Est-ce que tu connais les publications d'Amartya Sen sur les capabilities? Et donc, je pensais, en fait, est-ce qu'il y a un lien entre ton concept d'autonomie et ce concept de capabilities d'Amartya Sen? Et si oui, comment, en fait, enfin, comment on peut le lire, ce concept d'autonomie, dans un contexte de privation, de contraintes plus en plus important. Donc, lui parle de liberté négative. Voilà. Enfin, ton discours me faisait penser, et je me dis, dans tes auteurs de référence, il n'apparaît pas. Alors, je me dis, peut-être, c'est une suggestion. Voilà. Merci. Alors, je te réponds intuitivement, et peut-être que Nando aussi aura des choses à dire là-dessus, parce que moi, sur la notion de capabilities, ça date un peu, moi, les lectures que j'ai faites, donc je vais peut-être dire d'énormes bêtises, mais tendanciellement, j'aurais plutôt connecté à une réflexion qu'on pourrait faire, tu vois, un peu utilitariste sur la migration. En disant, par exemple, ces femmes, elles ont des compétences, elles ont effectivement un discours que je peux faire dans d'autres contextes. Hein. Elles ont un bagage parfois même universitaire. Elles connaissent plein de choses et des capacités. Donc, il faut
qu'il faut renforcer dans une approche utilitariste, mais surtout dans une approche appliquée où on voudrait s'intéresser aux politiques à mettre en œuvre pour aider ces femmes, ou aux politiques migratoires, dans une critique des politiques migratoires en disant « mais là, vous êtes complètement idiots parce que vous les laissez bloquer aux frontières alors que si vous faisiez attention à leurs compétences, à leurs capacités, vous pourriez intégrer ces femmes ». Je pense que là, ça aurait un sens. Dans ce que j'essaye de développer sur les résistances, tu vois, c'est plutôt ma question, ce serait plutôt de réfléchir en termes de agency, en termes de résistance, en termes d'autonomie. Quel est le terme le plus... voilà, pour moi, agency est beaucoup plus... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un terme plus individualiste qu'autonomiste. Enfin, a été moins travaillé justement dans le sens relationnel que j'évoquais tout à l'heure, mais j'ai peut-être tort parce qu'il y a une agency collective aussi. Mais en tout cas, bon, j'ai choisi autonomie. Mais le terme de capacité, pour moi, il ne renvoie pas forcément à ça. Il est plus, tu vois, en termes de politique et de voilà, la façon dont tu peux valoriser des compétences en termes de politique et de développement, bien entendu, de développement et en l'occurrence en Europe, peut-être d'intégration. Nando, maybe you can add something on the relation, to what extent the autonomy approach and the bordering approach could be a critique of the capability approach? Something. I think they were developed within different contexts. Obviously, the development studies and within the humanitarian sorts of narratives, the capability approach is in many ways construct with the idea almost of a global governance, which is the one that mirrored it. You know, the global governance is what is can enable people to fulfill their capabilities. There is almost an embedded sort of normative global sort of narrative there. But the one aspect which I think I found quite interesting also to look at, and unfortunately I didn't catch everything in the presentation, Camille, sorry, scusa. But following the slides, is this idea of the institutions of autonomy. And recently I've been doing some reading around the infrastructure, so migration, all this debate around infrastructure. And I was thinking, and in a way, when I was thinking about the emigration and citizenship nexus in the presentation, in a sense, you know, diaspora institutions or the institution of autonomy, and then there was diaspora network. But then we also know that these diaspora networks are not free from the interests and the agendas of the country of origin in many ways. So I found quite interesting how there is an implicit immigration perspective also within the autonomy angle that forgets, you know, the Sayyad, the double pain of the migrants kind of angle. Yeah, the backside of the migrant is somehow forgotten in the process. Thank you. Thank you. Une autre question, alors c'est Michel qui voulait prendre la parole. Michel Perazzi. Oui, c'était... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai allumé mon micro. Donc... Martina dans la salle d'attente. Alors, elle arrive un peu tard, mais... Michel. Oui. Non, je voulais prolonger la discussion qu'on a déjà eue, je pense, au moins deux ou trois fois sur ces questions. Comment dire, moi, je pense que je voudrais discuter sur la discussion. Voilà. C'est-à-dire que je me dis, si on charcute un peu, on tripatouille autour des concepts, généralement, il y a deux raisons de le faire. La première raison, c'est de se dire, est-ce que notre vocabulaire descriptif aujourd'hui est insuffisant à décrire un certain nombre de pratiques. Et là-dessus, je l'ai déjà dit à Camille, donc elle le sait, moi je suis très sceptique sur la capacité de l'autonomie aujourd'hui en tant que concept de décrire un certain nombre de pratiques qui, au fond, se décrivent très bien en termes d'individuation, en termes d'agency, etc., etc. Donc, je vois pas trop ce que le concept d'autonomie apporte d'un point de vue descriptif, encore une fois. Donc, c'est pas du tout une critique de type violente, hein. C'est une critique pour dire je pense qu'on a largement le vocabulaire pour décrire les choses. Ou alors, c'est que précisément, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et donc, la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça permet de décrire de plus l'autonomie que d'autres mots ne décrivaient pas, notamment, par exemple, dans la confrontation entre individuation et autonomie. Et je trouve que là, il y a un vrai débat
assez passionnant, je pense, notamment autour effectivement de ces femmes, etc. La deuxième chose, c'est que le concept d'autonomie, il a un sens politique. Et alors, de ce point de vue-là, la question qui est assez fondamentale, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, et ce qu'on a aussi entendu tout à l'heure à propos de la frontière est tout à fait intéressant et pertinent. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du statut politique de migrant? C'est-à-dire que, en clair, est-ce que le nouveau statut du migrant, c'est-à-dire cette posture d'indésirabilité, de vulnérabilité extrême, de non-personne, comme disait Dallago, de celui qui porte la frontière sur son dos, comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui, est-ce que ce statut-là est susceptible de définir quelque chose d'un acteur politique, d'un être politique nouveau qui vient prendre place dans nos sociétés et qui suppose de réarticuler, de réagencer un certain nombre de réflexions et de postures et de débats politiques. Et est-ce que, de ce point de vue-là, c'est l'autonomie qui est le meilleur terme? Je ne suis pas sûr. Moi, j'avoue, vous allez tous me traiter de vieux con. Libertaire, pas libertarien, Thomas Lacroix, libertaire, c'est fondamentalement différent. Donc, vieux con libertaire, mais moi je pense que le terme de multitude est beaucoup plus intéressant que le terme d'autonomie, par exemple, pour définir aujourd'hui ce qui relève du statut politique du migrant. Je pense que le terme multitude, tel qu'il est porté par Hart et Negri notamment, est beaucoup plus affûté pour comprendre le statut politique de la migration aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous embêter. Est-ce qu'on prend une série de questions là, Radija, et après j'aurai une autre question qui arrive. Radija et Madmad. Donc, j'arrive pas à... Allô? On n'entend pas très bien. Concerns the presentation of Nando. It concerns precisely what I have called the G's. These are documented citizens. Khadija? Khadija, we can't hear you. Can you hear me? Okay, sorry. Let me just... write a question. Can you write a question? I will present ask you your question to Nando. In the meantime, I've got a question. Anissa Ma wanted to ask something. Anissa. Yes. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Ouais, ok, parfait. Merci pour ces présentations. J'avais une question pour Camille. À propos de l'usage de la notion de résistance, en fait, c'est une réflexion qui me semble indissociable de justement toute cette réflexion sur la notion d'autonomie. Et j'ai l'impression que malgré la remise en question, en fait, malgré le fait qu'on soulève ce caractère relationnel de l'autonomie, on ne remet pas forcément en compte la notion de résistance et qui pourtant me semble réduire un petit peu l'interprétation qu'on fait des pratiques migrantes, et ce dans deux sens, notamment parce que la résistance approche les pratiques agentives des migrants uniquement de manière réactive au contrôle migratoire, comme une pure forme d'opposition au contrôle migratoire, et que ça tend à nous faire oublier un petit peu que ces pratiques, elles peuvent avoir leur propre histoire, en fait, qui dépasse largement une expérience du contrôle, notamment les mises en scène de soi sur les réseaux sociaux, etc. Et aussi parce que la notion de résistance nous empêche de voir que l'usage, en fait, de certains mécanismes de contrôle migratoire peut, en fait, d'autant plus dans le contexte de surproduction de la frontière, cet usage de pratiques du contrôle migratoire peut en fait servir comme ressource aux migrants pour définir leur propre stratégie. Moi, je pense notamment aux retours volontaires sur lesquels j'ai travaillé et où en fait je me suis rendu compte que le retour volontaire, certes, était une pratique d'éloignement et une pratique d'éloignement, mais était également utilisé par les migrants
dans leur stratégie circulatoire entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest notamment. Donc voilà, des questions sur la notion de résistance et aussi une approche féministe de l'autonomie ou de l'agencéité, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour repenser la vulnérabilité et la dépendance qui sont généralement appréhendées comme étant antinomiques de l'exercice d'un pouvoir. Et moi aussi, dans mes recherches, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un usage justement de cette vulnérabilité et des relations de dépendance, notamment dans lesquelles peuvent se trouver des femmes migrantes, pour justement poursuivre des, pour que les, pour, enfin, utilisées par les migrantes pour poursuivre leurs propres agendas. Et peut-être juste deux choses. Il y a deux auteurs que je n'ai pas vu citer dans les perspectives féministes, mais peut-être parce que c'était plus de la géographie, mais c'était Lila Boulurod, justement sur la romantisation de la résistance, et Thierry B. Ortner, The Ethnographic Refusal, sur justement la difficulté d'appliquer la notion de résistance à une pratique ethnographique, enfin à une observation ethnographique. Et voilà, c'est des travaux qui peuvent être intéressants. Et merci pour le séminaire. On va prendre une troisième question de Khalilou Bari. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, thank you. My question is for Camille. Shmuel, first of all, thank you for the, both of you for the presentations. My question concerns what you mentioned, Camille Shmuel, on the criminalization of migration. So I was wondering if that criminalization of migration is kind of contemporary to the construction of the border as a tool, to control migration, or if it comes at a different period, or if it's not linked to it, or it comes at a different time. Thank you. And the Radija's question had just arrived, and then I will leave you a few minutes to respond. And the question is about, you can read it in the chat, Nando, about the COVID refugees, these people who are citizens stuck inside or outside of their permanent residence, but in a refuge-like situation, no possibility to go back home, no possibility to or to move forward, and in need of protection and assistance. So yeah, these people stuck at the border, I suppose. Yeah. So I leave you both a few minutes to respond. Maybe Camille, you want to start? Oui, mais je vais surtout remercier les personnes qui sont intervenues parce que c'est surtout des commentaires plutôt que des questions. Hein. Le commentaire de Michel, ça on pourra en discuter longtemps, multitude ou autonomie. Mais bon, là, comme je m'intéressais aux féministes, je peux pas. J'ai déjà cité beaucoup d'hommes. Tu permettras, mais on pourra en discuter. Je voulais aussi remercier Anissa Maha pour sa réflexion, parce que je pense que c'est plus une réflexion qu'une question sur l'articulation entre résistance et autonomie. Et je pense que je suis d'accord avec elle. Et du coup, je me suis permis, Anissa, de mettre dans le chat votre article que je trouve très inspirant sur la question des résistances au rapatriement ou déportation, je ne sais pas comment on veut appeler ça. J'ai trouvé ça vraiment, c'est André Area qui nous avait signalé l'article, c'est un très bel article. Donc, je me suis permis de le mettre dans le chat et je pense qu'il est aussi porteur d'une réflexion sur ces questions-là. Enfin, pour la question de Khalilou, c'est évidemment la criminalisation. Il y a toute une littérature là-dessus, donc je n'ai pas développé parce que moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travaux sur ou la criminalisation ou l'illégalisation des migrations et qui montrent comment, la question, c'est la dimension à la fois dissuasive, donc la fameuse peur de l'appel d'air et répressive en même temps des migrations, c'est-à-dire dans quelle mesure la répression des migrations est aussi une question de dissuasion.
et comment on fait la part des choses dans ces deux aspects-là de la politique migratoire actuelle qui participent de cette criminalisation. Donc, de cette, voilà. Mais je passe très vite parce que je ne suis pas du tout la personne la plus compétente ici sur ces questions-là, mais c'était un peu ça l'idée dans mon cas particulier, en fait. Et c'est, évidemment, ces politiques de dissuasion sont tout autant des preuves pour les personnes qui traversent ou qui sont dans les frontières. Je laisse Nando répondre. Shall I? On the top of the question you had, did you get the bulk of Anissa's question? And I think it could something which could be interesting for you. To what extent the border studies tend to reduce everything to a border issue. It is to say every form of resistance, every form of behavior to a border issue. Whereas some form of resistance have their own history, their own trajectory, which can be independent from the strengthening of borders and things like that. I don't know if you get the point here, and maybe yes. And also you get the question about COVID refugees as well. Yeah, I mean the COVID refugees question. I mean it's an interesting one. Partly, I mean with the last part of my presentation, I was more like try to opening up an agenda. And when I mentioned also the case, for example, of Turkey, I found it's fascinating. Because in particular, you know this idea that Turkey was providing flight back to Turkey to third generation German national. That were studying in Great Britain. And I know someone who went through and then ended up in a place in Turkey for a long period of time quarantining and then eventually she went back to Germany. But it was quite fascinating how there is this sort of intersection between somehow a definition of membership, you know, the claim for the connection with the emigrants and the diaspora, et cetera, and the politics of the COVID politics, let's say. So that's element. And you can explore also in relation to other groups how they've been treated and related. The other aspect would be interesting is in terms of the definition of priority grouping and to what extent, for example, when we look at key workers which get prioritized, and you've just seen, I've seen the comparing, you know, the Italy with the United Kingdom, for example. In Italy, you got all the teachers, again, the military, et cetera. But interesting, there has not been conversation with groups which have been at the front line in getting the country running, but were mostly group where you may find migrants into it. Another thing which is interesting about the politics of the vaccine is while in the British context, you have all the data around black and ethnic minorities being less taking up on the vaccine, I've been trying to find in the Italian context any data around which groups have not accepted the vaccine or which group have been more deaf as a result of COVID, and the data are not collected. The data, ethnic data or nationality data, you don't get through the official statistics. So it's quite interesting in the show visibility, which for everyone who works on migration and the construction of the migrant through the use of figures and numbers is really interesting to unpack. So the question is, I cannot answer specifically to the question, but it's certainly one of the angles in which we can see this overlap, in a very literal sense, it's the biopolitics happening, you know, the vaccine, the public health intersecting immigration control, and it's certainly fascinating. And the border, I was thinking how a lot of the debate on the autonomy is very much focused on the entry level, you know, on the migrants and the borders, the entry. And as you see from my presentation, mine was all on the internal borders. Despite the fact that I've done the work on the refugee crisis, the migration, the arrival in Italy, but I found this, in particular also that there was almost the disappearance of the mobility as well in the cases that I picked up, you know, the people that get redefined, rebordered without moving. And I found interesting how, in a sense, I'm interested to see the discontinuities and the spaces of resistance, in a sense, also how they can open up on the intersection of different political agenda rather than as a space that exists in itself. What I mean by that is that there is a lot of incongruences and interstices that open up between the pressure that, for example, the construction of illegal inverted commas migration in the global compact is producing, which open up space for a resistance within the,
from the perspective of the migrants on the move, which are spaces that exist as a result of the global governance which is emerging, you know, the global compact on migration, safe and orderly, et cetera, et cetera. So I tend to look more from that angle in terms of defining agency within this sort of incongruences in the power structure, those as a separate from them. That's a preference. Okay, are you happy if we take another last round of questions? It's okay for you? Yeah, all right, because I've got one from Océane and I got another one in the chat, but Océane first. Thank you, Thomas. Thank you both of you for your very interesting presentations. Can you hear me well? It's okay? Yeah, I will ask my question in English because I would like to have both perspectives from Nando Sigona and Camille Schmoll. My question is more about, we talked about bordering politics in terms of embodied borders, and I was wondering how we could also apply that in terms of age. I'm working with unaccompanied minors, and this bordering, the age border for them is quite important. And in that sense, I was thinking about how in the case of minors who arrive, for example, in Europe and who become systematically mobile from one center to another and who are disappearing, how could we apply the framework of autonomy, resistance, and let's say renegotiation of the migratory project for this type of specific mobility of arriving into a country, entering reception centers, being aware of many power relationships, and then trying to renegotiate a project to find a place to settle. So it's a bit of a complex question maybe, but minors are often framed in the humanitarian discourse as very vulnerable, not being able to choose by themselves. And I was wondering in that case, how we could give a space for their autonomy and for their agency through their mobility. Thank you very much. I got the last question from Elia Fishman. Elia, do you want to ask your question yourself or do you want me to read it? Okay, I'm going to read it. So the construction of a migrant is racialized, something which has not been addressed so far. So beyond the question of racialization, there is the question of intersectionality, which is, so to what extent it participates in the production of a border and bordering. What do you want to respond? Shall I start, Camille, or you want to go first? Okay, on the unaccompanied minors, I mean, this is an area which I've done quite a lot of work on, in particular, focusing on the transition to adulthood, you know, when that humanitarian sort of mantle that protects the young people is lost and what's happened. And I found it interesting, and in particular, there was a few years ago, there was this issue of the missing and disappear and accompanied minors as part of the narrative around the refugee crisis. And we, together with Elaine Chase and Jenny also, we were working on these issues. And in particular, it was focusing, my interest was in understanding who is actually missing, you know, this narrative about what they miss. And there is something very interesting there, because if you look where the people were missing from, you really understand what kind of pressure the migration regime was putting on them, and also the child protection regime. So there were two main groups disappearing. One were the one in Italy, who were escaping from the protection of saved children, let's say brutally said. And so they were escaping at the point of entry. So they were getting registered, they were sent to a place, or potentially or not even that, and then they were moving into other options which were outside the formal system. A lot of them had the friends, family, they start to work, had to send back money home, etc. This was in particularly the case, for example, of Egyptian young people. Egyptian young people were the only Egyptian allowed into Italy during the refugee crisis, because if you were over 18, you were sent back straight away. So there was an age group coming into the country, and it was also limited by the fact that if you were too young, you were ending up into foster families. So there was a window there, and then there was this disappearance as also a manifestation of autonomy or willing to express agency or deciding the trajectories. In the other larger group were the one disappearing in the Northern Europe, disappearing in Sweden, in Norway,
And in that case, the disappearance was happening later, was happening very close to them becoming 18. So it was, and it was very much related to the fact that up to that point, they had received, you know, this very sort of a strong established system of welfare and support, access to courses, etc. But then there was a very sharp cut at the end of it. In a sense, disappearance, in the sense, was often escaping for the concrete possibility of being deported. That was the disappearance for the set. So the narrative of the missing was very misleading in terms of not understanding why people may wanted to escape the best interest sort of system. And so in a sense, there is a space for doing that kind of research. And the other manifestation of this sort of claim for agency within very constraining sort of governance system was the mobility, the intra-EU mobility, people bouncing back and forth between countries to avoid the return to Afghanistan. I go to Italy to get some forms of protection because Italy enabled me also to shift to a different residence permit. While within the UK, that is not possible. So if you are 17 and a half, you basically, your case is reopened, you are found not to have an eligible sort of asylum, you're sent back. And you just look at the statistic on the forced removal in Britain, is mostly in the 18 to 25 years old brackets that people get forcibly removed. And mostly will be single people, never families or children by themselves. So it's quite interesting to understand this mobility, intra-EU mobility as a form of autonomy. And And also the gaze of the state is really fundamental, understanding the different forms of gaze of the state. And I put this article that we published with Rachel Humphries on Antipode in the chat, construct specific forms of youth migration and others get completely invisibilized. The point about the racialized construction of the migrants, I mean, in my presentation, it was mentioned at two different points, and I didn't go in greater detail. I mean, when I was mentioning the way that the migrants constructed from the borders, there was some reference of work that talks about the intersectionality element, the louvade, the work around the racialization, the colonial borders was basically implicit in that part, but I didn't went in greater details. In the research on Brexit, in particular the Euro children, some of the videos involves also the Black Europeans in Britain and exploring the extent to which London as a diverse environment enables actually the formation of European families, which are mixed race, mixed nationality, to a much larger extent than of other places in Europe. So you can see the racialization for that form in a sense. And yeah. Oui, les deux questions étaient très pertinentes, bien sûr. Et donc, peut-être que je peux rebondir sur ce qu'a dit Nando, c'est-à-dire que c'est la question de l'invisibilité et de la visibilité qui est évidemment liée à la surveillance, au contrôle, qui est intéressante, c'est-à-dire même dans une perspective intersectionnelle, qu'est-ce qui à un moment donné est rendu visible par le contrôle migratoire et qu'est-ce qui l'est pas. Et je trouve que c'est absolument fascinant ces cas de mineurs qui disparaissent du contrôle des radars, voilà, comme expression aussi d'une forme d'autonomie. Voilà, j'ai oublié la première question en fait, donc je suis très mal, mais voilà, sur ces... ça m'a interpellée et je suis désolée Océane, je commence à fatiguer un peu, mais ça m'a interpellée sur ces questions de visibilité et de... Oui, non, simplement pour dire, oui, les régimes frontaliers, les régimes migratoires, ils agissent aussi par cette question de la visibilité. Et moi, ce qui me semble important, c'est d'aborder aussi la tension, en fait, et ça, bon, il y a beaucoup de travaux qui le font, entre la mobilité et l'immobilité. Donc, ce que vous racontez sur les stratégies, ou même ce que Nando raconte sur les stratégies de disparition de certaines personnes, c'est tout à fait lié à ça. Et je pense qu'on a, quand on pointe aux régimes migratoires en disant, voilà, c'est des régimes d'immobilisation, on se trompe. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus, c'est vraiment dans la tension entre immobilité et mobilité qu'on peut observer à la fois le pouvoir et la résistance au pouvoir. Voilà ce que je dirais pour terminer. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Thank you very much, both of you. And as I mentioned earlier, just wanted to let you know that the webinar is recorded, so
for those who want to dispatch and disseminate this information about this seminar, feel free. Thank you, both of you. It's been a pleasure. Swanee, you can... Thank you, Nando. Hope to see Swanee, you soon. He's a fair convener. Somewhere. Very discreet. Can you show up? Swanee. Yes, I'm sorry. I'm sorry for my discretion today. I must admit